Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode parce que nous, nous étions en fin de séminaire. Un séminaire qui s'est très très bien passé d'ailleurs, c'était cool. Très gros groupe. Et euh, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. C'est vraiment génial de, de vous recevoir ici à Dubaï, j'allais dire en endant à Dubaï. Et, euh, et voilà, ça fait plaisir et on revient dans un rythme un peu normal. J'ai mis lumière un peu tamisée. En ce dimanche soir, parce qu'il est déjà 20 h ici à Dubaï. Et euh, voilà, je suis pas rouge, hein, c'est la lumière de l'écran qui fait ça. Mais voilà, c'est pas très important. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine de trading. Pour moi, c'était une bonne semaine. J'ai fait 2%, donc je suis très content. Et j'ai surtout validé euh, la première phase de mes forex funds. Enfin, la première étape euh, fallait faire euh, 8% sur ces deux comptes à 300 000. Et je l'ai fait, je l'ai validé mardi, donc je suis très très content et j'ai déjà attaqué euh, les phases 2. Donc ça c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Je vais vous montrer où j'en suis sur les phases 2. Vous allez voir, voilà, donc les deux premiers, c'est les deux premiers comptes et les deux deuxièmes, c'est les deux phases 2. Et je suis à 303 500. Donc on va essayer d'aller chercher ça. Là pour la phase 2, j'ai 5% à faire sur ces deux prochains mois pour ajouter 600 000 dollars de plus. À mon capital sous propre firme et donc monter à 1 million de dollars, ce qui, ce qui ferait plaisir parce que bah, une semaine comme ça, à 2% en financé, euh, eh bien, euh, bah, ça fait 20 000 dollars. Donc c'est plutôt pas mal, même si vous retirez 20% de la propre firme. Euh, ok. On va commencer avec les indices, évidemment. Je ne vous ai pas fait de top and flop parce que ce week-end, j'étais un petit peu occupé. Je me suis acheté une voiture. Voilà. Pour info, donc n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux pour voir euh, d'ailleurs quelle voiture je me suis acheté. Vous savez, c'est pas ma priorité dans la vie. J'aurais pu m'acheter une Lamborghini, mais voilà, c'est pas mon objectif et c'est pas euh, pas une priorité pour moi d'aller foutre 100 000, 200 000, 300 000 euros dans une voiture. Je suis trouvé quelque chose de sympa. Allez voir les réseaux sociaux. Je vous mets, vous avez mon Instagram dans la description de la vidéo si vous avez envie de faire le curieux. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous faire euh, le top and flop cette semaine. Donc, je vais quand même vous présenter euh, le pire trade de ma semaine, on va dire le plus pourri euh, et le meilleur. Comme ça, au moins, euh, ça sera fait. C'est sur le Dow Jones. J'ai quasiment tradé que le Dow Jones. Hein. On a un journal de trading d'ailleurs dans la communauté dans lequel je vous mets euh, bah, un petit peu euh, tous les trades qu'on prend en direct. Euh, les objectifs de la semaine, c'était de prendre 10 trades. Euh, c'était euh, 80% de 5 étoiles. C'était que des trades dans la méthode. 80% de trade dans le sens de la tendance et euh, réussir à la phase 1, euh, my forexon. Euh, donc on voit, j'ai pratiquement tradé que le Dow. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trades et 10 trades sur le Dow Jones. Euh, la plupart sont des 5 étoiles. Il y en a un qui est tout pourri, c'est celui de jeudi, je vais vous montrer. Et je pense que celui de vendredi, c'est le, le plus beau. Euh, je fais 33% de TP, je fais en stop loss, je crois que je fais... 2 stop loss, euh, donc 3 TP, 2 stop loss et 5 BE, euh, et je finis à plus 2, donc ça c'est plutôt plutôt cool. Donc ce que j'estime le pire trade de ma semaine, c'est un trade que j'ai fait euh, jeudi, peut-être un petit trade d'agacement euh, où j'ai tenté d'acheter ici la cassure du 61 8 de la dernière baisse en rentrant sur le pullback bien sûr pour aller chercher les 100% et le haut d'OPR avec un stop sous le 50. Donc pourquoi je l'estime que c'est le pire trade de ma semaine bah parce que la tendance elle était baissière le flux était baissier j'ai cherché j'ai essayé d'acheter euh, donc je me prends un stop logique et donc ce trade là je lui ai mis un étoile euh, une étoile pardon, parce que euh, voilà euh, pour moi c'est vraiment de la merde comme trade c'est euh, je venais de me prendre 2 be sur deux tentatives de vente sur euh, la cassure d'opr je vois qu'il réintègre l'OPR. On est quand même en tendance baissière, mais j'essaye d'acheter, donc j'étais pas très très content de moi dans mon débrief de ce trade-là. Donc vous voyez, même moi, ça m'arrive. Il y avait un stop, il y avait un money management bien carré. Mais voilà, même, même moi, avec de l'expérience, bah, ça arrive des fois de faire un peu euh, des mauvais trades. Donc je me prends un stop un peu, un peu logique. Euh, par contre, le plus beau trade que j'ai fait, je pense que c'est celui de vendredi. Il est là. C'est réintégration dans l'OPR. OK. TP le bas d'OPR. Ça faisait. Alors, je suis rentré un petit peu avant le pullback, je l'avoue. Stop au-dessus de la réintégration, donc de la bougie qui réintègre l'OPR. TP le bas d'OPR. Donc, c'était plutôt, plutôt bien joué euh, dans ce flux euh, baissier avec cassure des moyennes mobiles en même temps. Et euh, du coup, bah, on a TP euh, sur le bas d'OPR en tout, toute fin de journée. On est resté quand même un moment puisque je l'ai pris vers 17h45 et je suis sorti à 19h45. Donc, il a quand même duré deux heures. Il a même été fait encore des plus bas. J'aurais pu faire un ratio de 4, 5, 6. Mais bon, c'est déjà très bien. On ne va pas se plaindre. Et, euh, et ça fait plaisir, euh, les amis, d'encaisser et de pouvoir faire 2% cette semaine. C'est deux fois mon objectif hebdo. Donc je suis très, très satisfait. Il faut en profiter. Il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester... Euh Extrêmement euh, lucide euh, et surtout la tête froide, pas se reposer sur ses lauriers parce que ça peut arriver que quand on fait une très très bonne semaine, bah, que la semaine d'après on redonne au marché parce qu'on s'enflamme un peu, on croit qu'on gère tout, que le marché euh, ça y est, on l'a tout compris. Donc voilà, restons euh, x extrêmement sélectifs et ça va être intéressant justement sur ces MyForexFonds. J'ai 5% à faire en deux mois euh, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'envoyer en l'air. Et il y a beaucoup de gens qui, dans les propres firmes, bah, déjà n'abordent pas les propres firmes avec un bon money management. Font un peu n'importe quoi, mais qui plus est, quand ils réussissent leur phase 1, bah, s'en voit en l'air à la phase 2 parce qu'ils se disent Ça y est, j'ai fait le plus gros, c'est parti. Donc, à moi d'être très sélectif. On va commencer euh, bah, cette petite analyse par euh, les marchés américains parce que, bon, les marchés européens, on les traite beaucoup moins. Le DAX, le CAC, on regardera un petit peu la tendance évidemment, mais je pense que le, la, la base, euh, ce, sont, euh, ce sont les indices américains. Euh, on va regarder le Dow Jones, donc la tendance, elle est hyper abaissière. Je regardais. Euh, Hier soir, j'arrivais pas à dormir et, euh, et je regardais euh, BFM Business. Il y a des euh, replays, euh, des meilleures interventions des experts de la semaine. Et il y avait euh, un expert qui, qui disait, voilà, ce serait peut-être intéressant de commencer à acheter euh, des actions américaines pour jouer le rebond. Euh, J'ai trouvé euh, ça intéressant, en effet, parce que... Euh, pour gagner sur des titres, il faut les acheter pas cher, mais prématuré. Pour moi, pour l'instant, il n'y a toujours pas de signal de retournement court terme. La tendance hebdo, elle est super baissière. On fait un nouveau plus bas cette semaine. Euh, on n'est sur aucune zone clé. La zone clé sur, sur le Dow Jones, on reviendra sur le Standard Poor's, ce qui est le vrai boss, mais pour moi, elle est encore un petit peu plus bas. C'est encore 4 500 points plus bas. Et euh, voilà, il n'y a pas de signal de retournement. Alors, en effet, à un moment donné, il y aura forcément un rebond technique, mais on ne sait pas s'il aura lieu la semaine prochaine à 50% de Fibo de la dernière vague de hausse à 618 ou sur 18 000 donc il faut vraiment faire attention moi je conseille euh, de suivre la tendance au maximum et pour l'instant les baissières quand vous regardez euh, mes trades cette semaine c'est pratiquement que des shorts donc euh, voilà on va essayer au max de suivre la tendance on voit en plus en daily euh, une très belle euh, un très beau mouvement baissier alors je crois que vous ne voyez pas je vais changer parce que vous ne voyez pas le hop le truc bougez pas alors comment on fait pour changer ça tac tac voilà on va mettre ça. Comme ça, vous voyez l'unité de temps sur lequel je suis au milieu de mes graphes. Euh, je disais pour l'instant le flux est très baissier. Regardez comme c'est joli ce pullback magnifique qu'on a ici. C'est-à-dire je te casse un niveau support potentiel. C'était un plus bas précédent 30 000 en plus chiffreront. Je te fais un bon technique dessus et je repars à la baisse. donc, euh, donc vraiment cool, euh, vraiment vraiment intéressant et euh, bah, pour l'instant ça fait un nouveau plus bas. Donc je pense que ça va continuer au moins jusqu'à cette zone-là, qui est l'ancien record d'avant le Covid, avant la baisse Covid. Donc c'est un, un niveau qui est juste à côté, hein, c'est 28 400. Euh, mais je pense que ça va y aller. Donc on va voir. Mon plan pour euh, lundi, bon, on verra euh, en fonction de l'open, mais quand on regarde dans 4 heures, c'est toujours très baissier. D'ailleurs, le mouvement 4 heures, il est très très propre. On a tenté un rebond euh, par ce pullback, mais on est toujours sous les moyennes mobiles finalement, très très baissier. Euh, bon, on va chercher des ventes. On va chercher des ventes sur, euh, sur des rebonds. Alors on va surveiller... L'ancien plus bas, le vrai précédent plus bas cassé, ici, qui est un petit peu au-dessus des 29 000, 29 060, parce qu'on peut venir se réappuyer là-dessus pour finalement aller chercher ma zone. Donc, ça, ça va être l'un des plans. Et euh, pourquoi pas, en effet, euh, si à un moment donné, on va directement chercher la zone et que là-dedans, on a un très joli signal, tenter un rebond. Mais il faudra d'abord aller chercher le niveau. Et puis que le niveau nous montre que c'est un gros niveau et qu'on est un joli signal. Donc pour l'instant je fais plutôt des ventes. Alors après attention, il y a aussi des rebonds techniques qui se font. Hein. On a l'a vu cette semaine. On a eu à un moment donné quand même une espèce de remontada de pratiquement 1000 points. Euh, si tu shortes le plus bas, tu es quand même mal. Donc il faut faire attention à essayer de rentrer au bon timing. Donc voilà, la principale zone que je vais surveiller, ça va être cette zone 29 060, qui est le précédent plus bas. Et puis, euh, et puis voilà, voir ce qui s'y passe. Euh, et pas essayer d'attraper le couteau qui tombe vraiment, vraiment, vraiment. Euh, donc pas d'achat avant finalement euh, 30 000. Hein. En gros, c'est soit il vient chercher la zone support et il tient. Soit en effet, ça rebondit fort et à un moment donné, on pète les 30 000. Mais tant qu'il est sous 30 000, bah j'essaierai je de faire que des shorts sur rebond. Ça veut dire sur ce précédent plus bas cassé ou si jamais ça rebondit fort, là-dedans. Hein, pourquoi pas Ça peut être aussi un, un beau bon niveau. Donc on va surveiller ces zones-là 29 060, la zone quand même du, du plus haut précédent Covid, on va dire, l'ancien record historique vers 28 400, et puis la zone 29 850, 29 900, la polarité qui a été support plus résistance en cas de rebond technique pour essayer de travailler une vente là-dedans sur un signal. Si on regarde un petit peu le Standard ce que je traite beaucoup moins, c'est une question de goût. Souvent on me pose la question, ouais, pourquoi tu ne fais pas du S&P alors que tu dis que c'est le boss euh, C'est lui qui décide, c'est lui le boss, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, mais euh, je suis moins à l'aise dedans parce qu'il euh, cote moins de points, donc il faut mettre plus lourd du point. Euh, voilà, j'ai mes habitudes avec le Dow Jones. et C'est le Dow Jones que j'ai tatoué euh, sur mon bras d'ailleurs. Euh, donc voilà pourquoi je pense qu'il va encore baisser. Encore une fois, le niveau clé c'est 50%. Je te donne deux, j'en reprends un. Euh, c'est encore un petit peu plus bas. Alors c'est pas très loin. Hein, ça fait encore une baisse potentielle de euh, 3-4% à peu près. Mais c'est pour moi la zone, la zone clé. En effet, on n'a pas de boule de cristal. Je ne connais pas l'avenir. Mais si finalement il pète ce niveau là, bah, danger, danger parce que ce sera 61,8 3002. Et puis, si euh, ça pète 68, on peut même carrément imaginer euh, les plus bas Covid après. Voilà, on est dans une situation différente. Actuellement, ce n'est pas une pandémie, ce n'est pas un événement flash euh, surprise comme il y a eu en Covid avec cette baisse de 40% en trois semaines. C'est vraiment le contexte global qui est très mauvais avec beaucoup d'inflation, avec euh, la Fed qui reste hyper agressive et qui l'a dit encore cette semaine, avec les différentes interventions euh, de, de banquiers centraux qui ont dit « Voilà, on ne va rien lâcher euh, ». Tant qu'on n'a pas notre objectif d'inflation ramené à 2%, euh, donc voilà, c'est euh, vraiment lourd quoi le contexte. Il y a l'Ukraine bien évidemment, il y a ce dollar hyper haut qui va commencer encore à jouer des tours. Euh, donc voilà, je, économiquement parlant, même si je ne suis pas expert, ça sent pas bon. Donc attention à pas essayer d'attraper le couteau qui tombe. Il faudra vraiment voir la réaction là-dessus, euh, ce qui se passera avant effectivement d'acheter. Donc tant qu'il est baissier et tant que les indices sont sous leur moyenne mobile. Moi, je vous invite à privilégier les ventes. Quand on est day trader, il y aura peut-être des petits mouvements de rebond à, à anticiper et à travailler sur les zones que je vous ai montrées là. Mais quand vous êtes débutant, n'oubliez ben, pas Trend is your friend. Et vous avez plus de chances de gagner quand vous prenez euh, le sens de la tendance que le contraire. Du côté du DAX, c'est un peu la même chose. Alors lui, il est déjà sur ses 50%. La bougie de jeudi euh, de vendredi, bon, elle est moins révélatrice parce que euh, les indices américains se sont cassés la gueule en toute fin de séance. Donc, ça a eu moins de répercussions sur le DAX qui pourrait ouvrir en gap baissier. Euh, mais c'est un bon niveau. C'est vrai que c'est un bon niveau. C'est 50%. C'est un chiffre intéressant. C'est 12 000 points. Euh, c'est une zone. Donc, c'est la moitié de toute la hausse qui part du plus bas du Covid. Donc, ça reste un niveau clé. Quand on est euh, amoureux de l'analyse technique. On se doit de respecter cette zone-là. Euh, on, on verra ce qui se passera à l'open, euh, on va dire cette nuit, mais c'est surtout demain à l'ouverture des actions euh, à 9h. Bon, voilà, on a une espèce d'oblique baissière. Et tant qu'on sera sous cette oblique baissière, bah, moi je continuerai à faire que des ventes. Ça veut dire que même s'il rebondit un petit peu et qu'il vient justement faire un petit pullback. Là-dessus, ça reste un très très bon point d'entrée pour essayer de travailler des mouvements, euh, mouvements de vente. On peut aussi attendre tout simplement la cassure de cette petite, euh, ce petit niveau oblique qui prend tous les points bas. Mais voilà, je, je n'achèterai ce marché euh, que lorsque j'aurai une théorie de dos qui s'inverse avec des vrais plus hauts et plus bas plus hauts, ce qui encore une fois n'est pas le cas. Donc je privilégie les ventes. Attention, ça reste, on est dans un gros niveau. Il y a un espèce de support qu'on a ici qui a été un petit peu attaqué et qui a été plusieurs fois euh, fait son job. Donc attention, encore une fois, pas vendre n'importe où. On peut avoir cette, cet effet en début de séance lundi. Je rebondis, ah bah tiens le support, il tient puis finalement, pff, voilà. Donc je vraiment, j'ai envie de vous inviter à suivre la tendance, à rester très prudent, à essayer de shorter les points hauts sur des signaux techniques et à essayer de travailler des OPR et des trades. Voilà, le day trading me va très bien depuis plusieurs semaines. Toutes les semaines ne sont pas à plus deux. Bien évidemment, il y a des semaines où on est à à moins 0,5, moins 1, moins 0,25. Ça nous arrive aussi de perdre des sous. Euh, mais voilà, globalement, c'est plutôt, euh, plutôt bon. Et ce qui est très confortable, c'est qu'il n'y a pas de position la nuit, il n'y a pas de position le week-end, il n'y a pas à surveiller le téléphone toutes les 5 minutes quand tu es parti euh, bouffer au resto ou que tu es avec ta femme dans le canapé. Et voilà, c'est des trades qui vont durer de quelques minutes à une heure ou deux vraiment grand max. Euh, mais voilà, je suis assez, assez content là-dessus. Donc euh, attention, restez très prudent. Du côté euh, des matières premières, on va regarder un petit peu le gold quand même, le gold qui est, euh, qui est venu, hein, finalement euh, faire un rebond en profitant euh, d'une correction du dollar qui a eu lieu euh, en, dans la semaine. Moi, ma zone préférée, c'est 1600. C'est un niveau polarité, résistance, support, support, qui m'intéresse beaucoup. Après, il a rebondi pas mal, là, euh, quand même, euh, sur euh, la séance de mercredi. Je dis non, il n'a pas confirmé, mais il a fait quand même un joli rebond. Après, il reste pareil, il reste très très baissier euh, ce gold. Euh, donc j'ai même envie peut-être de tenter une petite, petite vente dans la zone ici. L'ancien support 1720-1730, euh, pourquoi pas pour essayer d'aller chercher la zone des 1600, vous avez vu les bruitages que je fais aujourd'hui, c'est magnifique, euh, et, euh, et faire le river sur 1600. Donc le gold, pour ceux qui sont investisseurs sur le gold, c'est bien d'avoir de l'or physique d'investir dedans, surtout en période d'inflation, puisque ça vous protège contre l'inflation. Hein. Ça, c'est historiquement très, très connu. Euh, voilà, c'est bien d'attendre euh, un gros niveau support pour essayer d'en prendre. 1600, c'est bien. 1600 dollars. Alors, c'est vrai que c'est leur côté en dollars, là, pour le coup. Leur côté en euros ou leur côté sur d'autres monnaies, à une tranche différente. Mais euh, voilà, gros, 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 gros niveau. 1600. Donc, peut-être un petit short que je tenterai, a hein, un beau pullback sur 1720. Et sinon, j'attendrai 1600 pour essayer un gros achat. Du côté du pétrole, eh bien, il reste en tendance très baissière. Finalement, la grosse div qu'on avait vue il y a quelques mois, eh bien, elle a bien fait son travail. Le gros niveau, c'est 70-71 dollars. C'est un niveau super intéressant. Pareil, il y avait une tentative de rebond qui a eu mardi-mercredi du côté du pétrole, qui est quand même dans une vague de Wolf. Mais c'est un petit peu cuit pour la travailler. En plus, il rebaisse il va retester peut-être le bas de la Wolf. Donc, c'est trop tard, donc je vais l'enlever. Euh, voilà, c'est pareil, c'est des actifs qui sont un petit peu chaud chaud à travers ce moment. C'est comme le Forex, on ne va pas se mentir. Moi, je fais beaucoup moins de trades Forex qu'il y a 3 ou 6 mois euh, parce que c'est le bordel. C'est complètement le bordel. Qu'on voit ce qui s'est passé sur le yen, qu'on voyait ce qui s'est passé sur la livre sterling, c'est complètement le bordel le Forex. Il y a deux trois plans que je vais vous montrer, mais vraiment des choses très, 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 très prudentes. Euh, le pétrole, je vais vraiment attendre ces 71 dollars. On va aller voir du côté du, du Forex. On a quelques opportunités. J'avais vu USDCHF, donc dans ce dollar qui est toujours en tendance super haussière, avec un espèce de canal qui a été pété par le haut. On est venu finalement faire un pullback un petit peu exagéré en se réappuyant sur la moyenne mobile 20. Ça, c'est une paire qui m'intéresse pour payer, pour essayer de travailler un achat. C'est une paire qui me plaît euh, pour essayer d'aller tenter. Euh, D'aller chercher des nouveaux plus hauts. Euh, voilà pourquoi pas la zone de résistance un petit peu sous les 1,02 là par ici. Euh, ça me plaît beaucoup. Ça, c'est le genre de, de setup daily. Donc, tu as des stops un peu larges. Euh, tu as un stop sous euh, la conso. Tu vas chercher euh, 1,02, un ratio de 2, un ratio de 3. C'est des choses que j'aime bien sur l'USDCHF. C'est dans une logique de la tendance du dollar euh, en ce moment. J'aime beaucoup. Euh, et il y avait l'euro AUD aussi que j'aimais bien euh, qui nous fait un espèce de W hebdo un petit peu un petit peu sympa euh, qui est quand même pas mal une belle figure chartiste on connaît son efficacité c'est plutôt cool alors il faut attendre que ça casse vraiment euh, proprement mais euh, pourquoi pas essayer de travailler un, un achat sur l'euro AUD euh, peut-être pas forcément euh, euh, avec un stop sous la figure comme on l'apprend dans les livres peut-être là pour le coup le, le genre de setup que j'attends là-dessus pour ma part ça va être pourquoi pas attendre une séance qui confirme la, la cassure le pullback et plutôt que d'essayer de rentrer sur le pullback laisser le pullback se confirmer et donc rentrer à la validation du pullback avec un stop du coup sous le pullback. Donc ça donne un plan un peu comme ça euh, pour aller chercher la hauteur de la figure en prenant toujours la jambe euh, voilà, la, plus, la plus élevée. Euh, ce qui nous donne quand même un beau ratio sur ce genre de plan. Ça nous donne un ratio de demi. De donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà un peu euh, ce que j'imagine sur l'Euro AUD. Après j'avais repéré d'autres trucs mais qui ne sont pas validés. On avait une vague de Wolf sur le CADCHF. Euh, on avait une vague de Wolf aussi sur l'AUD/USD. Mais du coup, quand si tu achètes usd c'est que es, tu deviens vendeur sur le dollar, ce qui est quand même compliqué en ce moment. On voit, elle s'est pas validée. Euh, j'avais vu une très très belle zone sur l'euro-yen. Je voulais acheter cette zone ici euh, qui était finalement l'ancien plus haut. Donc il y a eu un joli repli et un beau pullback là-dedans avec une très belle bougie qui ressemblait un petit peu à un marteau. Mais c'est parti sans moi, c'est dommage. Bon, voilà, Forex, un petit, peu, un petit peu, attention, un petit peu limité. Il euh, y a des petites paires aussi qu'on regarde sur, sur des, des, des timeframes un petit peu plus court terme. Il y avait un 61.8 à l'achat sur le GBP Yen, voilà, qui est, qui est en train de partir. Il euh, y avait quoi d'autre qui était plutôt pas mal Il y avait l'Euro Yen aussi, euh, qui est parti comme une balle, avec un espèce de drapeau cassé par le haut, mais il n'y a pas eu de pullback. Euh, donc, dommage, euh, on essaie de faire des choses comme ça un petit peu intraday, mais vous voyez, on le voit dans mon journal, j'ai fait zéro trade Forex euh, mmh. cette semaine. Il y a une seule zone sur l'euro dollar qui m'intéresse d'ailleurs, au passage, c'est la zone ici. Euh, pourquoi Parce que c'est l'ancien plus bas et c'est une zone de support qui devient résistance. Mmh. Donc, vous voyez, c'est très très beau, ça s'est passé euh, la semaine précédente. Euh, vendredi, pardon, euh, c'est très 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 joli. Donc, ce qui était une zone que j'avais marqué en zone de short, mais là pour le coup, j'ai pas eu de signal intraday. Il y avait une petite divergence, c'est vrai, on va pas se mentir, hein. il y avait quand même un petit quelque chose de sympa, euh, mais bon, bah, parfois on rate le train, on voit pas, ça se valide, on est en train de faire autre chose. Là, pour le coup, ça s'est validé sur l'heure du midi. J'étais peut-être en train de déjeuner, euh, donc voilà. Tant pis pour moi. Donc Forex, pareil, attention, c'est très volatile. Il y a peut-être un petit peu moins de news euh, sur les jours qui arrivent que ce qui s'est passé sur les deux trois dernières semaines, mais faites très très attention. Du coup, du côté des actions, bah, c'est pareil. Euh, si j'en crois euh, cette personne sur BFM, il faut euh, full acheter des actions. Je suis pas certain. Même si voilà, je vous l'avoue, j'en parle souvent. Euh, j'ai pas eu que des super années. 2020, ça a été une année difficile pour moi. J'ai perdu un, un peu d'argent. Euh, elle m'a permis de me remettre en question, de mettre en place des systèmes dans mon trading pour pas euh, refaire ces erreurs. Clairement, en 2020, j'ai fait, j'ai essayé de vendre tout, tout le rebond à chaque fois sans profiter du rebond en achetant des titres. Euh, donc oui, si demain on a un signal de retournement sur les euh, sur les indices. Euh, sur le Standard Poor's, sur le Nasdaq, avec voilà, un, un big avalement daily, un W, un machin qui nous dit bon, là, il y a, y a ce qu'il faut au niveau euh, technique. Oui, on achètera des titres. Mais pour l'instant, il faut rester à l'écart parce qu'on ne sait pas si la baisse, elle est terminée. Il y a quand même quelques petits titres que je surveille. Il y avait Sanofi. Pourquoi Parce que sur Sanofi, on a une grosse divergence daily sur un gros niveau qui a été polarité magnifique. Donc, il y a des petites choses qu'on a sous les yeux, qu'on doit surveiller. Il y a Snap aussi qui me plaît, qui fait une grosse divergence hebdomadaire avec un ratio incroyable sur un niveau qui a été support justement pendant 2020. Donc, pourquoi pas. Mais voilà, attention, j'ai une douce pensée et c'est pas pour me moquer, mais à ce que j'appelle euh, voilà, les papy-PEA, euh, les personnes qui ont un PEA depuis euh, 25-30 ans et qui ont l'habitude voilà, de, de le gérer un petit peu euh, en bon père de famille, à mettre une dizaine de lignes. Euh euh, genre, genre, voilà, à l'époque où j'étais chez Data c'était un, euh, un petit peu courant. Euh, J'ai 100 000 sur un compte PEA et euh, du coup, bah, mais, euh, je mets 10 lignes à 10 000, j'achète des titres et j'attends. J'achète Air Liquide, j'achète Sanofi, j'achète BNP et j'attends. Ça, c'est euh, voilà, boursicoté. Il y en a beaucoup qui font ça. Et là, bah, ils doivent être en PLS parce que les titres, ça se casse la gueule. Euh, donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Donc, à mon humble avis, c'est trop tôt. Le jour où il y a un signal. Pourquoi pas On a des titres qu'on surveille comme ça, mais, euh, mais j'ai un portefeuille qui est quasiment vide parce que bah, ça ne m'intéresse pas euh, d'acheter des titres pour l'instant. Euh, et oui, je sais que ce n'est pas toujours rigolo et euh, le day trading peut ne pas convenir à tout le monde parce qu'il faut être discipliné, c'est stressant et il faut avoir du temps. Donc ça, après, euh, c'est à vous aussi de trouver, euh, trouver les solutions. Mais quand je vois que dans la communauté, il y a des membres euh, et, et plusieurs, hein, tu prends Pierrick par exemple. Qui reda, qui ont atteint 800 000, 900 000, 1 million de dollars de capital, ils les ont financés sur différentes propres firmes et qui arrivent à faire des retraits à 20, 30, 40 000 dollars. Pourquoi aller se prendre la tête, aller faire de l'action Donc effectivement, ça ne veut pas dire que tout le monde arrivera à ce niveau-là. Ils n'ont pas forcément un pouvoir particulier, mais ils ont su se remettre en question, ils sont hyper disciplinés, ils ont une expérience qui font que voilà, ils sont passés par différentes étapes et vous pouvez le faire. Vous aussi si eux y sont arrivés vous pouvez y arriver ça prendra du temps il faut se former il faut travailler sa psychologie mais j'ai envie de dire pourquoi se prendre la tête aller construire un portefeuille long terme et puis aller faire de l'action quand on a ce genre de performance sur ce genre de d'actifs bah c'est suffisant j'ai envie de dire alors après voilà on s'y intéresse on regarde on regarde les actions avec des dividendes on commence tranquillement à sélectionner quelques titres pour des futurs achats mais encore une fois pour moi c'est trop tôt euh, il faut rester vraiment prudent et rester à l'écart pour l'instant. Je finis ma vidéo avec euh, le Bitcoin comme d'habitude. Bitcoin, donc j'avais dit pour moi c'est 8-9 000 dollars. Euh, il est pile poil toujours sur cette zone. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas vu cette zone. Euh, très grosse zone, c'est l'ancien record euh, 19 000, euh, qui a tenu une première fois au mois de juin, tenu, attaqué, attaqué, attaqué. Et bon, on est peut-être en train de former un W, mais il sera validé que si on cassera les, les 24 000. Tant qu'il est sous les 24 000 et qu'il ne pète pas cette figure-là. Moi, j'y touche pas et je pense que cette zone, tout le monde l'a vu, donc c'est pour ça qu'elle tient. Mais je pense que la baisse va continuer et qu'il va aller chercher le gros support en violet ici et qu'on ira chercher un niveau autour des 10 000 dollars. C'est mon avis. Je peux me tromper. Euh, et c'est à ce moment-là que je mettrai un gros billet comme je l'ai fait euh, quand il était à 3800 dollars. C'était euh, par ici, euh, fin 2018. Euh, voilà, euh, tranquillement, patience. Donc, ce n'est pas évident. Il euh, y, y a des gens parmi vous qui hold et qui gardent du bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Bah, tenez bon, parce que je reste pro-crypto et euh, voilà, persuadé que dans les 10 ans, 15 ans, euh, ce sera de la rigolade les prix actuels. Euh, mais voilà, patience. Et on va recharger. Je pense qu'il faut attendre la zone des 10 000. Voilà pour cette vidéo du dimanche. J'espère qu'elle était assez synthétique pour vous. Euh, voilà mon avis. Donc, encore baissier sur les indices très très prudent. Mon objectif pour cette semaine, ça va être de continuer à travailler comme ça, peut-être aller faire 1% pour avancer un petit peu dans ces monde. Euh, en essayant de, au maximum de suivre cette tendance. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez live stream, encore les deux packs qui sont euh, disponibles. On est en train de terminer notre nouveau site internet. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Donc les offres n'ont pas encore changé, mais ça va changer très bientôt. On va réunifier, euh, réunifier pardon, les, les deux packs parce que je pense que les deux sont essentiels. Euh, le matin, on établit les plans sur lesquels... Euh, qu'on applique l'après-midi. Donc euh, voilà, je préfère euh, faire un seul pack euh, pour que vous puissiez avoir accès à vraiment tout ce qu'on fait, tout notre travail. Mais euh, si vraiment c'est que ce qui vous intéresse, c'est vraiment le trading court terme. Bah, vous pouvez encore prendre le pack trader, pack scalper pardon, qui, est, qui est dispo. Donc allez voir. Et euh, bah, voilà, merci à tous. On a pratiquement 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Euh, ça fait plaisir, vraiment ça fait chaud au cœur. Et je vous remercie de votre fidélité. Très très bonne fin de dimanche et à bientôt. Ciao